Donc, l'abbaye de Saint-Savin est une église romane qui date de la fin 11e, début 12e siècle, avec des bâtiments monastiques qui, eux, ont été reconstruits au 17e. Le site de l'abbaye de Saint-Savin est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, d'une part pour la richesse de son décor peint, puisque vous avez quasiment 460 mètres carrés de peinture qui datent de l'époque romane sur la voûte de son église, mais elle est également inscrite pour le fait qu'elle représente une civilisation disparue, puisque l'église de Saint-Savin est vraiment un fait marquant représentant l'Occident médiéval chrétien. Nous sommes une petite équipe de moins de 10 personnes à l'année, avec énormément de polyvalence et d'implication de la part de chacun des agents, et effectivement, voilà, on se ressent un petit peu comme étant une famille. Une petite anecdote, oui, lors des restaurations du 15e siècle, l'un des restaurateurs, n'ayant pas bien compris le découpage des scènes, a représenté Ève, sous les traits d'Adam. Donc nous avons ici à Saint-Savin l'une des seules, ou si ce n'est la seule Ève barbue au monde.